Oui, donc voilà, tout le monde ou presque a déjà entendu parler de SimCity. Hein. C'est un jeu de gestion assez révolutionnaire pour l'époque parce que il avait pour principe d'être sans fin, on pouvait y jouer indéfiniment. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre jeu de gestion qui a su un peu se forger sa petite notoriété au fil des années, on va dire, du fait de sa rareté. Mmh. Il s'appelle donc Two Point Hospital, il est sorti en 2018 sur PC, et c'est la suite spirituelle d'un jeu qui s'appelait Theme Hospital, qui est un jeu qui est sorti en 97 sur PC, et sur la première PlayStation à l'époque. Et comme son nom l'indique un petit peu, c'est un genre de simulation, en fait, une simulation d'hôpital, c'est un jeu de gestion. Donc vous êtes un hôpital dont vous êtes le directeur, et donc vous allez devoir gérer un peu le budget et la popularité. Alors on est en plein retour là de la Covid, c'est pas un peu déprimant ce jeu de gestion d'hôpital ? Alors, ça le serait sûrement si on parlait d'un jeu de gestion classique. La petite subtilité de celui-là, c'est que les maladies qu'on doit traiter sont assez exotiques, on va dire. En tout, il y en a 46, mais je vais juste prendre quelques exemples, on va dire. Je vais juste vous en citer 45. Un peu plus clair, voilà, je vais vous en citer 48. On a le canard freudien. C'est une tendance à avancer les lèvres de manière excessive devant un appareil photo. Ah oui, je suis en train de le faire. D'accord. Ah oui, c'est le duck face. La maladie du rabat-joie. C'est toi, ça. La peur chronique de s'amuser en raison d'un balai mal placé. Ah, c'est l'effet François Fillon, ça. C'est ça. Il y a le débloque star avec des patients qui se prennent pour Freddie Mercury alors qu'ils sont juste tarés. Et puis, enfin, spécial dédicace, on trouve aussi la maladie de la tête d'ampoule. Ah. C'est des patients assez brillants dont il faut en fait transplanter la tête avec une machine qui dévisse l'ampoule défectueuse pour revisser une autre neuve. Voilà. Bref. Bon, nous concernant, il n'y a pas de risque. Bah toi avec tes doigts, on sait jamais. Non, mais il y a d'autres trucs sympas. Enfin voilà, mis à part les maladies, par exemple, des fois quand il y a un patient qui meurt après un échec du traitement, donc une tête d'ampoule par exemple, il va se transformer en fantôme et il va venir hanter un peu les couloirs de l'hôpital. Mais heureusement pour nous, les agents de maintenance que l'on recrute sont aussi des Ghostbusters. Donc c'est Luigi le type. C'est Luigi's Mansion, parce que dit comme ça, ça a plutôt l'air d'un grand cirque d'un hôpital, ton truc. Et non parce qu'on y qui se balade. On y retrouve quand même tous les outils d'un jeu de gestion à l'ancienne, quoi. Il y a différents hôpitaux qu'on peut améliorer dans le mode histoire. Il y a un mode bac à sable une fois qu'on a tout débloqué. Il y a des tonnes d'indicateurs en cours de jeu. On est noyé sous les indicateurs pour savoir si notre gestion est efficace. Pour les dingues de statistiques comme Florence, un plus. Et puis il y a des parties qui nous transforment un peu des fois en capitalistes sans scrupules. Moi je me suis surpris à rire en installant des distributeurs de chips à côté d'une table d'opération ou une boutique de souvenirs juste à côté d'une salle de réveil. Voilà, comme ça, juste au cas où, tu vois, si tu veux passer à la caisse. J'imagine Romain en train de faire ça dans le déni. Le consumérisme absolu et c'est très drôle. Ça me fait chier de devoir tuer des gens, mais je suis obligé. C'est un jeu très sarcastique. Pour ça vaut bien le paquet de chips. Allez, j'ai commandé un KFC. Ouais. C'est un jeu très sarcastique. Il utilise un humour assez noir quand même, mais globalement quand même tout public. C'est jamais borderline, on va dire. Et puis le dernier avantage peut-être, c'est que comme toutes les maladies sont imaginaires, même les hypochondriaques peuvent se marrer un peu. Le seul vrai défaut, pour terminer, qu'on peut lui reprocher, c'est assez inhérent au genre en fait dans lequel il est situé. On fait quand même rapidement le tour des interactions, on s'en lasse un petit peu quand on y joue un peu trop longtemps. Mais bon, c'est quand même un super jeu pour des parties relativement courtes, on va dire, des parties courtes régulières. C'est disponible pour si vous êtes intéressé sur PC, PS4, Switch, Xbox One, ouais, partout. Et aujourd'hui, ça vaut à peu près une trentaine d'euros et c'est bien. Voilà. Et c'est Two Point Hospital, c'est ça. Exactement. C'est ça. Alors Amélie nous dit sur le chat qu'elle y a joué avec son ex et qu'elle a aimé ça, elle est d'accord avec toi. Voilà. Et que depuis, elle a tué son ex. Et depuis, elle a tué son ex, c'est parce qu'il avait le truc freudien. Mais en tout cas, tu vois, pour une fois, quelqu'un a joué au jeu que Romain nous présente. C'est magnifique. Alléluia. C'est la première fois en 15 émissions. Oh, il nous a présenté 7 jeux. On est sur une pente ascendante. Eh ouais, bien sûr. C'est bien. Exactement. C'est un bon début. Exactement.
La prochaine fois, je vais présenter Mario. Bah, trop connu, Romain. Je refuserais, trop connu. Parce que, pour dire, on dit tout à nos auditeurs, je suis assez pointilleux sur les choix de sujets de Romain. N'est-ce pas, cher ami? Oui, quand il dit assez pointilleux, ça veut dire casse-couille. Voilà. Blasphème. Non, mais non, il y a un concept. Il y a un concept de chronique, il faut les respecter. Bienvenue dans les têtes d'ampoule. Alors, Amélie nous dit qu'il était à côté sur la table d'opération du distributeur des chips.